Bonjour les geekers, c'est Zenji, j'espère que vous allez bien, quand on voit ça, super. Et aujourd'hui les mecs, on se retrouve enfin pour une vidéo FIFA 18. En effet, on est le vendredi 6 octobre. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi 6 octobre? Rien de spécial, juste, il y a des packs en boutique. Comme vous voyez, j'ai 155 000 crédits. Toi-même, tu connais la chambre vente, ça marche. Donc, 5 packs à 25 000. J'ai toujours pas eu d'OTW les mecs. Je fais que ouvrir des packs, toujours pas de joueurs noirs. Donc là on va essayer de tenter notre chance. 5 packs à 25 000, faut faire la différence. Si vous voyez cette vidéo, eh ben j'espère que j'aurai du lot. Voilà. Allez, on passe tout de suite au pack. Allez, premier pack. Ça fait mal, 25 000 crédits, ça fait un peu mal, je peux pas te mentir, mais j'espère au moins des petites animes, ça ferait plaisir. On va voir. Ok, pas d'animation pour celui-là. Au moins une petite carte sympa, un petit Sané, un petit Martial, ça ferait plaisir. BU, BU, MC, Poligno. Non, Rafinha, pardon. Pouf, je me suis trompé, j'avais oublié qu'il y avait Rafinha. Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas trop dégueu, mais bon, ça reste quand même moyen. On a encore 4 pour faire la différence. Allez, celui-là, on espère avoir du bon. Au moins une anime, tu vois. Une anime, pour faire plaisir, parce que c'est chaud quand même. Même pas d'anime. Gros, on a des joueurs. MOC, bout de bouse. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Putain, de pack à 25 000, ça commence très mal sur le cacophonie. Allez, là j'y crois. Allez, on y va. Là je veux du joueur. Là je veux du joueur noir. Oui, animation. Allez, peut-être un petit truc sympa. Non, pas de carte noire. Ok, ce sera Matic. Ok, Matic ça va. Matic ça se vend un petit peu. Mais c'est pas ouf quoi. Genre ça rembourse pas le pack. Ça rembourse un petit peu mais pas tout. Oh, Renato Sanchez, c'est très bien ça aussi. Renato Sanchez, ils vendent cher. De toute façon, les trois, ils vendent cher. Les trois, ils vendent cher. C'est simple, les trois se vendent cher. Tu vois, là, nos packs, tu vois. Là, tu y vas comme ça. Hop là, là, tu l'ouvres. Et t'attends. T'attends qui est le joueur qui arrive là. Tu vois. Là, j'espère qu'il va y avoir une animation. Pas d'animation, putain. En fait, je vais vous montrer un screen, mais pour savoir s'il y a animation ou pas, il y a une petite lumière qui s'allume. Enfin bref, c'est assez compliqué d'expliquer. Navarro 75. Allez, dernier pack, les mecs. J'espère avoir de la chance. Un joueur noir. S'il vous plaît, je demande que ça. Un joueur noir. Pas d'animation, ok, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, peut-être un petit Martial, un petit Sané, pour pouvoir nous réconforter, non. Bah... ça fait mal au petit cœur. Et donc c'est là que j'interviens. Car en effet, à partir d'ici, les fichiers ont commencé à bugger. Vous inquiétez pas de fake, il y aura tout ce qu'il faudra. Mais il n'y aura pas les extraits en entier, du coup je serai là ici pour vous expliquer à chaque fois qu'est-ce qui se passe. Donc comme vous avez vu, j'ai ouvert 5 packs à 25 000 et je n'ai rien eu dedans. Et donc là j'ai décidé d'offrir une salve de 10 packs de joueurs, mais du coup vous verrez que le pack intéressant. Celui-ci où j'ai eu mon premier OTW, je vous laisse découvrir qui c'est. Allez, on espère encore. Là on veut du joueur noir, on veut pas des boosts, on veut des joueurs noirs. Animation, oh! Oui, allez, le joueur noir, allez, allez. On va piquer de la part du Portugal, du Suédois. MG. Ok. Zuma, yes. Putain, yes, 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 les mecs. Enfin, je voulais avoir un joueur noir. Et ben, je l'ai eu, putain, yes. Et c'est que le cinquième pack. Yes, les mecs, yes. Bah voilà, au moins j'aurais eu un joueur noir, c'est Bruma. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai eu Bruma OTW. Et donc ensuite, on passe tout de suite à l'extrait. Donc ici, on ne verra pas mon visage, parce que c'est un extrait où j'étais tout seul, je tournais pas forcément de vidéo. Et c'est ici, dans un pack de draft que j'ai eu. Vous allez voir ce qui c'est. Et le petit Corentin Tolisso invendable que j'ai vendu 80 000 crédits, donc là j'étais vraiment super content. Et du coup on passe au prochain extrait. Donc pour vous expliquer, j'étais avec un pote que vous allez voir à gauche dans la vidéo. Il n'y aura pas le bon son, parce que j'ai pris que le son du téléphone, donc il est un peu moyen. Mais voilà, du coup c'est un extrait que j'ai enregistré avec mon pote, où on ouvre encore une fois 10 packs. Et là par contre, on a vraiment eu de la chance, mais il y a eu un petit troll, je vous laisse découvrir ce qui c'est. Oh, OTW? Non, même pire, 6. OTW? Ah, j'ai cru que c'était un... 10, c'est 10. Ah, j'ai refait... C'est lui qui s'en est blanc.
Mec, t'es une légende. Non, 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 les gens, c'est... Oh là là, 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 et donc voilà, on a eu Caissier au TW et Ederson au TW. Putain, j'ai vraiment cru que c'était Neymar. Et bref, on a quand même eu du lourd. Et du coup, je vous laisse tout simplement avec le tout dernier pack. Encore une fois, on ne verra pas mon visage. C'est un extrait que j'ai pris encore une fois avec mon pote, mais cette fois-ci, on n'avait pas filmé. C'est dans un pack de SBC. Je vous laisse découvrir qui c'est, mais c'était pas ouf ouf. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous avez vu, on a eu Traoré au TW, donc ça fait 5 OTW obtenus. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. C'est mon premier pack opening sur FIFA. J'espère qu'il vous aura plu. Là, les mecs, j'ai une équipe de ouf. Je vais vous faire une vidéo très prochainement. J'espère que ça vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo ou encore à t'abonner. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Grâce à un ami qui a pu me passer des codes, et simplement, j'ai pu tester le jeu World War 2. Je ne l'ai pas précommandé. Et voilà, pour l'instant, je vous le dis, le jeu, je trouve super cool. J'ai jamais été autant hypé d'un Call of Duty depuis super longtemps, depuis BO2, je vous jure. Voilà, pour moi, Call of Duty, déjà, ça me faisait chier. Les jetpacks, courir sur les murs, tout ça. C'est vraiment...